pour cet album. Amen. 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 Pour Dieu bénir tous les frères et sœurs qui sont là. Et collègues qui sont habitués à participer pour tes méditations sur l'île. Et particulièrement parce que c'est pas mon ami. Ainsi que tout l'ami internet, l'ami qui sont là pour la première fois, l'ami habitué. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Matin, Mabdiou, bienvenue à ce premier dimanche du mois de juin 2021. Moi, baptisé, moi, de distinction et d'honneur, tiré de l'épître de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 17. Eh bien, il n'y a pas de cette album, c'est là, Abdullah est un fils ministre, est entré chez vous, et nous a apporté un petit gêné spirituel. Déjà, nous vous souhaitons bonne dégustation. Amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Et qui nous accorde ce matin l'heureux privilège pour nous réunir comme chaque dimanche, chaque matin, dans l'aurore en prière, dans le temple Seigneur, même dans la caille, dans le temple Longier, parce que l'église là c'est nous, pour nous louer le Seigneur, pour l'adorer, le magnifier, l'exalter. Et nous ne pouvons jamais suspendre, dire bon Dieu merci de ce qu'il te fait, nous fait partie. Des corps, ça, des groupes, ça. Et nous disons merci avec staff management, tantôt, qui toujours fait cas de nous, mettez nous sur le programme, fait choix de nous pour parler au nom du Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Rejoignez le psalmiste David. Comme il dit, j'ai délivré l'Éternel en tout temps. M'a souligné en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Dit que nous parler à tout temps, de bon temps, comme dans les mauvais temps. Dans la pandémie, tout comme dans la vie courante, nous avons la responsabilité, mes chers frères et sœurs, de bénir l'Éternel. Et ce matin, nous espérons que le temps, à ma parler, le temps ne s'accorde nullement pas à votre humeur. Parce que le temps, parfois, des mauvaises humeurs. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, la joie du Seigneur est notre force. Et la Bible te dit, sachant que dans les derniers temps, il aura des jours difficiles. Et tout le temps, nous, ouais, bah, il y a fait là. Et Jean-Bible te dit, là, ce n'est que. Ce n'est que le commencement de la douleur. La Bible dit, vous entendez parler des bruits de guerre. Et dans l'époque, la Bible t'a dit là, et ça y est, t'a annoncé les péripéties, ça y est, et pour qu'on ait Internet. Mais je dis, nous en pleine modernité, nous avons un satellite qui est installé un peu partout. Pour missile tiré à l'instant même, l'image qui est en projeté, nous est en well. Eh bien, en dépit de tout, Abdi au matin, ne vous affolez pas. Et malgré l'église, j'en ou elle divisée, malgré l'église dans cette petite état, nous est l'église y est là. Et aussi longtemps que nous-mêmes qui chrétiens, nous monde des mains en l'air, aussi longtemps que nous vivons sur la terre, tu ne m'arrives pas à monter, tu ne m'arrives pas à descendre, rien ne va plus, parce que la présence de l'Église ici-bas, c'est un bagage qui donne une valeur dans les yeux de bon Dieu. Bon Dieu fait nous honneur ça. L'Église a encore une valeur significative. En dépit de tout, on ne pas oublier, unis-nous, parce que bon Dieu, nous porter mal Jésus. Et c'est même Jésus qui dit, nous prenez courage, dit Jésus. Je serai avec vous tous les jours. Et ceci jusqu'à la fin du monde. Chers frères et sœurs, texte d'Ora, qui est notre thème de référence là, c'est nous joindre dans
Galates chapitre 6, verset 17. Il dit que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Et nous, à travers verset ça, Jésus-Christ nous capable de dire, scellez-nous de son sceau. Donc, comme tu as dit, non, le monde qui sont là avec plein, qui sont dans la paysannerie, qui sont petites paysannes, même genre, paysans, même genre avec moi, et ça vous dit, Jésus, tapez-nous. Et là, ils ont tapé, ils ont être vivants, ils ont fait ça tout en Afrique. Et pas que la caille, nous avons des fois son cabrit, son bœuf, nous volons, pas volons. Mais en Afrique, des fois, c'est moun yo même qui est du bi qui tempe tête. Et bien, à travers son ça, nous avons bon Dieu fait de nous ce peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Bon Dieu fait nous honneur. Donc, vous n'êtes pas comme les autres, mes chers frères et sœurs. Donc, c'est-à-dire que poteau passé, vous déjà identifié. Et des fois, on dit, c'est sous braguette qui est pire soldat pour vous, dans qui régiment lié. C'est-à-dire que, c'est quel que soit poteau, ou pas dans l'immédiat encore, au monde qui est dans son cœur, ou pas qu'à neutre, ou déjà identifié. Parce que bon Dieu retire au milieu du monde, au milieu des peuples, au milieu des mondes pervers. Ah! Ou vine même Jean à qui? Écoutez ce que dit la parole de Dieu dans Lévitique, chapitre 20, verset 26. La parole dit: vous serez saints, ou même qui scellez, ou même que bon Dieu fait honneur maintenant. Vous serez saint. Pour moi, ça, je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Comme si Mbadé ou Messiah, il a fini. Donc, c'est pour ça, toute bonheur ça, toute map ça, toute identification ça. C'est parce que Jésus voulait forsembler avec lui. Il voulait unifier. Il voulait mettre notre capable de Dieu au paroxysme, au milieu des peuples. Donc, maintenant, mes chers frères et sœurs, puisque vous jouez un privilège là, vous n'êtes pas capable de rester comme le monde, comme ça. Parce que Jésus justifié déjà dans plusieurs aspects du salut. Bon Dieu, immédiatement, lui mettons à niveau ça. Jean prophète Esaïe dit là, dans Esaïe chapitre 61, verset 1 à 3, il a continué. Jésus, bon Dieu vit loin où, lui loin d'où, étant que notre juge, notre père spirituel. Et à travers verset ça, nous sommes là. Nous voyons que bon Dieu, ils sont mon qui saint, Dieu est saint, d'où la sanctification par les saints. Et lorsque bon Dieu relève nous, lorsque Dieu appelle son peuple, il lui dit soyez saints. Donc, mes frères et sœurs, immédiatement, vous venez sceller ou tamper ou porter les marques de Jésus. Nous sommes appartenus à Dieu. En d'autres termes, nous sommes la propriété de Jésus. Bien-aimés, amis internautes, vous êtes relés nous, les tamper nous, les dit nous, même jamais, même moi, Seigneur, les inviter nous pour nous sanctifier nous. Le mot sanctification nous fait penser à une scène se passant dans un temple dont ce mot est primitivement associé à l'adoration de Dieu.
en règle avec la loi divine pour venir sceller, pour porter les marques de Jésus, pour venir naître de nouveau, pour venir faire partie, pour venir avoir une nouvelle vie, ou appartenir à une famille. Il dit, deux personnes désormais ne me fassent la peine. Right? Nous sommes désormais consacrés au service de Dieu, car nous avons été rachetés à un grand prix, le prix du sang de Jésus. Dès lors, nous avons été adoptés par la famille de Dieu, appelés pour porter de bonnes nouvelles, Jean Esaïe dit là, aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, et j'en passe. C'est l'apôtre Paul qui t'a fait expérience là. Jean Tab dit noir, nous ne nous appartenons pas à nous. Paul même lui dit, lui-même lui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et c'est Christ qui vit en moi. Il vit en moi. Exactement. Pour venir, pour gagner honneur ça, pour porter les marques de Jésus, pour vivre sa propriété de Jésus, au regard de cette vie sanctifiée. Dieu est le Saint. Et Christ, comme le grand sacrificateur, nous a fait comprendre que le péché, c'est la souillure. Toute forme de souillure et au regard de la sanctification, la repentance et la conscience de la souillure, car la propitiation en elle-même est un sacrifice expiatoire. Donc la vie chrétienne est une consécration sur l'autel et perfection de cet aspect, entière sanctification du péché et la séparation pour Dieu. Amen. Et en nous appelant ainsi, mes chers frères et sœurs et amis internautes, pendant Jésus a mis saut à sous nous, pendant qu'il lui fait nous à part, pendant qu'il fait nous honneur ça, Dieu nous a séparés des peuples. Et c'est ça que fait la Bible. On va dire, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 1er, la Bible déclare, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ça n'est pas parole de Jacques Saint-Louis, non. Mais parole, il y a un leader dans l'United Peace Ministry. Et il y a une exhortation biblique. Donc le sacrifice doit être vivant, palpable. C'est-à-dire, nous devons offrir à Dieu des choses de valeur. Que nous identifions nous à lui. Même offrande que nous avons offrir, quel que soit cette porte, ce bien. Il faut que nous regardions autour de nous pour nous voir si bon Dieu lui porte un regard favorable. Ce n'est pas n'importe qui ou scellé. Souvenez-vous de l'offrande d'Abel et de Caïn. Donc, notre vie, immédiatement, ou dans la situation ça, ou dans la position ça, notre vie doit être agréable, propre devant Dieu. Une vie que Dieu accepte, des offrandes que bon Dieu lui-même lui prend plaisir là-dedans. Veillez à ce que Dieu mette le feu de l'esprit sur notre adoration, chers frères et sœurs. Notre vie entière, corps, âme et esprit, doit être une consécration entière, totale, un culte raisonnable. Ah, si Christ est mort pour nous, le moins que nous puissions faire est de vivre pour lui. C'est ça que nous ne mettons pas. Ce n'est pas tout le monde qui est privilégié, ça, non.
serviteur. Pas tout le monde qui a sou ça dans le fond. Je dis à vous, vous ne pouvez pas me les bailler, vous êtes à Abdou, même Vaxé à Baila, il y a plus, il y a sou. Et tellement, Abdou, sou ça, Max a apporté à son bail qui est précieux. Ouais, jusqu'à présent, vous n'avez pas. Des gens qui même dit des bagages qui au-delà, qui n'ont pas même pensé. C'est pour ça, nous avons dit, pour bénéficier, pour vivre ça, pour jouer le honneur ça, pour nous consacrer nous entièrement à Dieu. Consécration entière, totale. Jean, l'apôtre l'a dit là, dans l'épître là, au culte raisonnable. Pour nous vivre pour lui. En fait, l'expression du culte raisonnable ici peut se traduire par une adoration spirituelle. En adorant Dieu, mes chers frères et sœurs, Jean, ou même qui scellé, qui est au même matin, tout le temps, dirigeant, il va parler. Chaque fois, on a pu améliorer nous. C'est que si, il va parler moins, parce que nous disciplinons vrai. En adorant Dieu, ne laissez rien vous échapper. Ne laissez rien vous distraire. Parce que Dieu est esprit. Même là que c'est la caille, ne laissez pas la machine là. Depuis que vous êtes le monde qui a son bon Dieu sous vous, ou un regard bon Dieu sous vous. L'on n'a pas adoré bon Dieu. Adorez-le en esprit et en vérité. Il faut ceux qui l'adorent, adorent en esprit et en vérité. Concentrez-vous. Car Dieu est esprit. Car vous êtes affaire. Ah, un Dieu sait, un Dieu qui vous sépare des peuples. Donc, il méritait honneur. Même bien fort, honneur. Il méritait gloire. Il méritait honneur. Et pas oublier, immédiatement, ou porter des marques de Jésus, nous venons automatiquement des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs ce matin qui venons à lui pour lui offrir des louanges, notre temps, nos biens, tout notre être. C'est une grande bénédiction, mes bien-aimés. Matin, des monde qui n'a pas de privilège. Ou même, bon Dieu, fait de lui. Songez, bon nègre, qui presque ni chez Jésus pour la suivre. C'est comme si à travers le pont Jésus Balia, et comme si par où Jésus voulait faire cadeau. Il était gardé, il était scanné, mon qui vient pour faire service. Mais ou même, il est sacré, on est ça. Il est privilégié, ça. Pour porter. Parce que, maintenant, où elle a fait introduction, nous devons souligner tant. Pendant ça, nous avons dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Il a dit, dans le bon comme dans le mauvais temps. C'est parce que ça est difficile. L'état est difficile là. Ce n'est pas qu'à tout seulement. Et mon cap mourir, les gens qui n'ont pas de pandémie, les gens qui parlent pour vacciner. Non, ça est difficile. Sauf ça, ou bien sûr, ou pas qu'on ait des jours difficiles. D'ailleurs, ouais, bon lutte qui commençait dans l'église avec les autorités étatiques. Nous avons un exemple tracé sous Pierre. Pierre est marché avec Jésus. Jour de l'arrestation de Jésus, la bataille est tellement rude. Pierre dit, c'est dit oui, nous te connais avec nous. Pierre son nez qui était sur son lit, identifié. Pierre dit, pas je me connais nous, non. Et c'est remords, ça a une impression. Pierre était gagné dans tout. Les voies missionnaires, c'est un regret ça qui n'a qu'un lit. Ben, c'est comme ça que la bataille a été livrée. Il dit, non, pas d'avril, non, pas de connaître. Et les jours difficiles que n'a pas l'eau matin, c'est que des jours qui sont venus, on a besoin de faire la Bible pour acheter, on a besoin de prêcher la parole de Dieu. Ouais, l'église où elle a été en ligne. Mais il a venu, il a pris des dispositions, il a fermé pas de temps. Nous, les chrétiens, nous sommes persécutés. Les chrétiens, nous sommes brûlés au vif. Néron, pour faire la Kaili, lumière,
qui éclaire toute la cour pour nèg yo à boire bière sable champagne, c'est des chrétiens yo prend yo immolé yo mettez son poteau et puis yo met diffé sur yo et c'est yo qui servir lumière dans toute la cour. Donc là autant de vous porter sous ça, vous porter les mal de Jésus. Pas penser ba yo pas le ridoué. Donc ou même qui identifie qui gen honnête ça matin kon qui est souillé. Ou même qui a adoré bon Dieu, ou même qui n'a présence bon Dieu. Parce que ça son sceau qui vous exige la sanctification. Il vous dit vous serez saint parce que moi l'Éternel, je suis saint. Donc Dieu a sanctifié, vous a sanctifié, il nous a sanctifié pour le servir avec Christ en vertu de sa mort expiatoire et de son esprit qui nous donne la vie éternelle et devenir justice de Dieu. En lui et par lui, nous avons le pardon des péchés, nous sommes sanctifiés en lui. Auteur du salut éternel, Jésus, la justification, il nous a rendus à la justice. Une justice qui nous est imputée et qui nous donne accès au royaume de Dieu. Quel privilège, bien-aimé. Donc, nous-mêmes qui l'a matin, c'est ici qu'on vous appelle fils de Dieu, pour être de véritables enfants de Dieu, il faut d'abord prendre une position et il vous faut une manière de vivre étant un monde qui est scellé avec les sceaux du Saint-Esprit, monde qui est identifié avec Jésus. Matthieu, on est dans la sanctification pratique. Un jour arrivé, la sanctification pratique, monde qui scellé, ou même qui gagne au ça, c'est quand notre vie est conforme à la volonté de Dieu. Et nous songeons de te dire, donc foi, la sanctification, son bagage qui à la fois intérieur et extérieur, faut que ou même sous ça qui n'a que là, faut lui refléter toute vie autour de lui, dans le travail, dans l'église, dans tout ça, on va pas trop prendre. Faut qu'on identifie ou pas gagner, genre qu'on a dit, pas gagner, baigner caché l'ombre encore, avec tout corps. C'est ouais qui est souillé. C'est pas chrétien dans bouche. C'est pas chrétien le dimanche. Faut extérieurement ou capable de faire tout le monde ouais. On est séparé avec le péché. On est un homme ou une femme qui est consacré à Dieu. Et parfois, faut que c'est pas un seau n'importe comment, faut que son seau sec. C'est pas un seau que ou a montrer que ou c'est servante, ou une femme de lumière, ou un vaillant soldat, ou c'est homme de Dieu et pourtant le cœur est chargé de rapines, de méchanceté, d'hypocrisie, de médisance, de calomnie. Et l'apôtre Pierre te dit non, réjouis-toi donc toute méchanceté, toute souillure, toute ingratitude. Et nous rapprocher de Dieu. Comme Jean Salmé Sazaf qui dit lui, nous m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Parce que je cherche en lui mon refuge. Maintenant, en pile monde a cherché sur ça, en pile monde a cherché au nez ça. Nous-mêmes, nous pas des usurpateurs de type, nous pas usurpés. Pour Dieu fait choix de nous. Nous avons honneur ça maintenant.
en rejeter toutes sortes de malice, toute ruse, toute division dans le nous. Toute dissimulation de l'envie, de la médisance. Si nous voulons servir Dieu, il est préférable d'être sanctifié intérieurement. Dans nos tables tout à l'heure, pour que l'excellier a reflété sur ça, max ça, pour que ce soit. En ce sens, la purification du péché. Quand on est sanctifié, on est intérieurement propre. C'est pas monde, ça peut faire montrer, ça peut faire maturer, ou montrer à le monde. On régénère, on fait montre des fruits de la régénération. Il faut nous prouver. C'est Christ fait de nous une nouvelle créature. On est appartenu à une autre création, mes chers frères et sœurs. C'est pourquoi Christ immolé. Christ est le premier-né de la nouvelle création. Notre vie intérieure, il doit correspondre à appel ça. Bon Dieu, fais-nous la thématique ça, matin. Peu importe la position pour occuper son élan. Peu importe le type de monde où il est, matin. On ne va pas connaître. Il y a des bagailles qui sont mal placées pour nous connaître. Comment est votre cœur? Comment votre trésor? Est-il bon ou mauvais? Maintenant, réflexion nous, propos nous, comportement nous, agissement nous, va montrer que nous sommes un qui scellé, qui ont un cœur régénéré, un cœur de chair et non un cœur de pierre. Ayez donc une vie sanctifiée à travers ça. En pile dans nous, il y a des fois nous rancuniers. En pile dans nous, il y a des fois, on doit demander, Jean-Paul dit, ça qui a passé dans l'église, même pas rien, dans le temps, pas rien, il n'y a pas de pas oublié matin, ou bon sauce. C'est trop panique. Dans l'église, là. Il est matin, pour nous offrir à offenser nous le pardon, pour nous unir nous. Il y a plein de bagailles qui fait nous souffrir, il y a plein de bagailles qui fait nous perdre, certificat d'honneur et mérite, que petit là attend pour nous matin. Ici, pour nous donner certificat d'honneur et mérite, ça, nous avons un paquet de bagailles pour nous faire. Savez-vous, le pardon, lui-même, même Jean-Jésus, pardonnez-nous, même Jean, salmiste a joué un pardon. Dans Somme 51, le pardon est la guérison de l'âme. Comment combattre peut-être la rancune dans nous, qui c'est un sentiment d'animosité, qui est caché. Parfois, nous sommes trop amers envers propre semblable nous, envers propre monde qui vient même saut avec nous. Pour qui ça, toute division ça, pour qui ça nous gagne petit, nous c'est petit même papa, nous c'est fils et filles de même père, nous créons à l'image de Dieu, pour qui ça tout regard au teint ça, dans mitra nous dans l'église, nous gagne même soi, c'est chaque fois où te voyez yo, où te gardez, où est soi dans son Saint-Tel, c'est pour te blier tout bagage, mais nous sommes là. Et pas oublier l'épître de aux Hébreux. Nous venons rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et nous, bien longtemps, moi-même avec nous, la bataille, nous dans l'évangile-là. But, nous dans l'évangile-là, c'est pour nous voir sauver la gloire. C'est pour le travail, notre travail, les nous quitter, vieter ça avec toutes vieux bagailles qu'il a dans nous. Pour nous débarquer dans l'aéroport céleste, pour nous joindre les anges qui pouvaient accorder nous, dis-nous la plus cordiale bienvenue. Donc, on sait des bagailles, depuis nous gagnons soi, pour nous rester, quitter rancune, quitter amertume,
Parce que l'Esprit de Dieu, les bagages, ça y est, dans nous, ap jemen nan nou, automatiquement l'Esprit de Dieu se retire. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut cohabiter là où Satan surgit. Pour même qu'il y ait son sommeil, pour porter les marques de Jésus, il faut nous dépouiller de sa rancune pour que Christ prenne place entre nous, dans notre vie. Il faut nous combattre cet esprit d'animosité. Il faut se laisser nettoyer par la parole. Souhait thème ça a venu. Thème n'a pas jamais venu pour grand messie. C'est parce que bon travail qu'il faut faire. Parce que l'Église Christ là doit sanctifier. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais simple et irrépréhensible. C'est ça qu'on t'a dit, mon Dieu, dans l'église officielle, Éphèse. Mes chers frères et sœurs, sous ça, les marques de Jésus font obligation. Faites tout ce qui dépend de vous. Autant que cela est possible, vous cherchez la paix avec tous. Sans discrimination aucune, sans parti pris. On est, mon Dieu, gain à nos heures, une série de péchés, une série de bagailles, qui plaisait lorsque nous-mêmes, nous gagnons les marques de Jésus, nous pas qu'à dans tout ça, nous n'avons pas qu'à maguer, nous pas qu'à gagner toutes les bagailles. Et puisque nous avons honneur, nous avons réussi cette grâce. Quand la parole de Dieu fait son travail en nous, quand il y met soi en nous, nous voyons le besoin, l'obligation de nous purifier pour tenir bon avec le Seigneur. Pour que nous marchions dans la sainteté, pour que nous fassions plaisir à Dieu, pour que nous conformions à sa parole. Puisque Dieu nous donne son esprit. On nous garde fort, mes chers frères et sœurs. Et dans le texte à matin, dans Galates, ouais, chapitre 6, verset 17, là, que personne désormais vous fasse la peine. Un message ça, on dit, voyons un message fort, pas nous. Il faut que nous baillons tout tête, nous, tout esprit, nous, tout corps, nous. Soit considéré irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le monde qui relève nous, le monde qui scelle nous, le monde qui fait nous honneur, ça, mes chers frères et sœurs, il est fidèle. C'est lui qui le fera. C'est-à-dire, il faut garder un contact étroit avec le Seigneur. Mais lorsque il y a tout vieux déchets, fouille de lâchés, lorsque au présent, on ne peut pas être sanctifié. Pour qu'on soit sanctifié, il faut se débarrasser de ces déchets. Si sur la terre, il y a des bacs de déchets, il y a des fois où on mettait au vert, il y a des cas suivants, quand on va blaguer des déchets biodégradables et non dégradables. Mais là-haut, dans le ciel, là, il y a des poubelles. Donc, la sanctification pratique maintenant, il exige, les gens qui ont sauce, il exige une obéissance. Il exigeait une coopération avec Jésus. Et bon Dieu fait nous grâce à travers Jésus-Christ. Nous devons cultiver cette sanctification sans cesse. L'être quotidiennement en nous séparant de toute espèce de mal, de toute souillure. Savez-vous que cette sainteté vous confère un caractère?
li ki vin pote fado yo. Chay peche myo pou yo soudo. Oh, li pa d'akor fè sa ki mè. Ou tom pa jan tispan fè lwant. Amen. 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 Bon, vous connaissez adversaire à mouvé. Adversaire à peut-être. Après coup, là, il est mouvé. Oh yes. Ah, yo, mais nous va quitter adversaire à tenir. Effacer sous ça à nous gagner. Jamais. Allez. Nous gagner net. Net. Au nom de Jésus. Et nous avons dit que, bon Dieu, voyez un signal fort, bah nous. Lèke li mette sou sa, lèke li rappele nou, nou gen le mak de Jésus sur nou mèm. Et j'aime tab di nou a, et nou mèm ki gen sou sa, chèche retire tout vie rancune, tout vie division ki la nou, parce nou gen mèm sou a, nou apateni a mèm papa, nou gen mèm héritage. La guerre toute entière, afin que pour l'Église capable de irrépréhensible, jusqu'à ce que Jésus tourne, mes chers frères et sœurs. Et nous avons dit, monde qui relève nous, monde qui scelle nous, monde qui fait nous honneur, ça, il est fidèle. C'est lui qui le fera. Il faut garder nos contacts, il faut nous coopérer, il faut nous rester sans rancune, mettre toutes les déchets de côté. Nous avons dit, retirer tout fruit de la chair. Qui veut ternir sur ça à nos guerres, parce qu'on ne peut pas être sanctifié. Pour qu'on soit sanctifié, il faut se débarrasser de ces déchets. Nous avons si dans le monde, ça à côté, il y a travail pour faire un pays vert, il y a lutter contre le réchauffement climatique, il y a des de côtés, il y a des bacs pour mettre des déchets dégradables, biodégradables, non dégradables, pour capable de jeter, pour recycler. C'est depuis qu'on y a là. Pour nous recycler, parce que dans le ciel, il n'y a pas de poubelle, pas de côté pour nous aller avec souillou. Parce que nous avons sous nous. Son travail, nous devons cultiver la sanctification, nous devons obéir à la parole de Dieu, nous devons faire ça chaque jour, chaque heure, pour nous garder autour de nous, parce que bon Dieu relève nous, de séparer nous des mondes. Puis, pendant que nous avons quitté le monde, pour nous quitter avec toute espèce de mal, tout souillou. Et nous connaissons, c'était ça, sous ça. Lui, bah nous, lui exiger de nous, pour que nous, bon caractère progressif, pour nous marcher avec lui. Nous devons grandir et ressembler à Christ de jour en jour. Faites tous vos efforts pour rechercher la paix avec tous. Sans la paix, personne ne verra le Seigneur. Pendant que nous impatients, pour nous réjouir dans la gloire, mais nous avons obéissance. Il faut nous croire à la puissance de sa parole. Il faut nous mettre la parole en pratique. Termine les ovinis pour nous marcher là-dedans. Tâchez de vivre en paix avec nous. C'est pour votre bien. Quand vous pardonnez encore votre bien, recherchez la paix avec nous. C'est l'un des bienfaits du pardon, la réconciliation, la sanctification. Quand on offre le pardon, on se libère, on se dépouille, on se sent à l'aise pour céder la place à tout le monde qui te met sur ça, sur toi, qui continue à rafraîchir sur toi. Vous connaissez sur la clapte, vous pouvez remettre le tampon, vous remettez encore pour soi capable de visible. C'est là la petite matière. Ouvrez votre cœur au Seigneur.